Bonjour à toutes et c'est Skygalaxia, on se retrouve pour le 39e épisode de Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune. J'espère que vous allez bien. Alors là, on se rapproche d'un fond de l'épreuve d'Alexia et non de. Je pèse quand je pense faire une bonne prise et je combat quand je pense pouvoir gagner. D'accord. Quand je t'en suis. Allons-nous. C'est tout, j'aurais aimé faire une petite prise. Eh ben. Du coup. Faudrait que je revienne. Déjà là. On va soigner les Pokémon. Et bah, ça va être l'épreuve d'Alexia. Qui est l'enfant du tout proche des Pokémon. Elle utilise des Pokémon du tout proche. Alors, ok. On va utiliser Tauros. Ici. J'ai pas pris ça ici. Alors c'est toi la merveuse, donc la duo parlait. T'es une gamine, tout ce qu'il y a plus de banal en fait. Mon nom à moi, c'est Apocine. Je roule pour la Team Skull. Les autres, Lascar, m'appellent Sista Apocine. T'as dû le remarquer toi aussi, ils ont tous deux de QI. Mais c'est justement ce qui les rend si attachants. Faut que je les protège, tu piges? T'attaquer à mes Lascar, c'est comme t'attaquer directement à moi. OIM. C'est quoi ça, OIM? À moi? À moi? C'est à moi, mais dans le fond, ils ont peut-être fait une erreur d'écriture. Peut-être c'est fait exprès. Mais je pense que c'est plus un genre. À WAM! Un WAM. OIM. Wow, ok, ouais, c'est du verlan pour moi. Ah. C'est du verlan? Ouais. C'est quoi le verlan? Verlan, c'est à l'envers. Ah. Tu vois le. Mais c'est pas à l'envers, moi c'est MOI et là c'était OIM. Mais c'est WAM. Ouais. Enfin, c'est difficile à expliquer le verlan, mais en fait, en gros, tu mélanges pas l'ordre des lettres. Tu mélanges juste les parties, du moins, tu vois. Ben, c'est comme un mixem dans le fond. Genre. Hein? C'est comme un mixem dans le fond, il va genre. Bah, genre relou. Ouais. C'est lourd à l'envers. Ah! Tu vois l'idée ou pas? Ouais. D'accord. C'est plus ça, tu Et ouais. Merci pour l'explication, Ruru.
23 cm. du coup. J'ai pas de guérison. J'ai une super potion. Cruel. Je pense que j'aurai un bouton. Ok, bref. Allez, une autre recharge. Oh putain. Non, ça va pas compliqué. Ok. Ok, je suis plus confus. Je pense que bah ouais. On va voir. C'était sûr à 100%. Si j'aurais pas été confus, j'aurais pu l'avoir. Et j'ai été confus. Donc du coup, c'est ça. Cruel. Et voilà. Et désolé pour le bruit. Genre ça capte vraiment, vraiment tout. Du coup, encore désolé pour le bruit. Ok. Ah, et KO. Cool. Ouais, niveau 27. Ah, désolé pour le bruit. Quoi? Ça fait du bruit. C'est pas mal pour une morveuse. Mais si tu touches encore à un cheveu de Melascar, tu vas comprendre ce qui t'arrive. Putain, j'en ai un qui est KO. Du coup, on va le rappeler. Et lui. Ok, du coup. Alors, Caroline. Tiens, je te ramène Lily, elle s'était encore perdue. Apparemment, elle devait retrouver quelqu'un à l'hôtel des emprunts. Mais au lieu de ça, elle est tombée sur la Team Skull et a dû s'enfuir. Sur ce, je file le match royal. Masque va bientôt commencer. Je ne veux pas louper ça. N'empêche, je pose de savoir qui peut bien se cacher sous le masque. Le Royal Masque. C'est le professeur Euphorbe. Eh oui. Je tenais à venir ici pour mon petit doudou. Même si, comme tu as pu le voir, je n'aurais jamais trouvé mon chemin sans l'aide du professeur Pramenet. Oh, ton pauvre Filali a un peu pratiquement le soigner. Ok. Au fond de ces ruines vit Tocopion, le Pokémon gardien d'Akala. Piou! Amélie Mélie, tu m'as guidé jusqu'aux ruines du conflit. Qu'est-ce que ces ruines et leurs gardiens peuvent bien signifier pour toi? La dernière fois, nous aurions été dans de beaux draps si tu n'avais pas été là. Tiens, bonjour, toi aussi tu es arrivé sur l'île avec Euphorbe, n'est-ce pas? Oui, je m'appelle Lily, je suis l'assistante du professeur Euphorbe, et voici Caroline. Ah oui, où avais-je la tête? On s'est vu à l'embarcadère, mais je ne t'ai même pas demandé ton nom.
Là, tout de suite, je faisais un brin de ménage dans les ruines. C'est Tocampion lui-même qui m'a confié cette tâche. Caroline, quoi qu'il en soit, merci de prendre le temps de découvrir les habitants et les Pokémon d'Alola. Bon, ici on passe aux choses sérieuses. Niffy, Kaveh et Barbara m'ont dit que tu avais réussi leur épreuve haut la main. Ça veut dire qu'il ne reste plus qu'à relever la grande épreuve, ma grande épreuve. Que dirais-tu d'achever ton épreuve sur l'île d'Akala par un duel contre sa doyenne, c'est-à-dire moi, Alexia? Avec plaisir. Parfait, mais attention, je ne suis pas du genre à te retenir mes coups. Mes Pokémon de type proche ont l'air mimi, mais ce sont des durs, littéralement. Du coup, on va se battre contre des Pokémon de type proche. Attention, 30 secondes. Avoir un ornithoringue. Alors, Giga Sensi, piqûre, ça va faire mal. Ça me rappelle pas beaucoup de PV, ça. Justement, super potion. Du coup, cœur encore. Ouais. Parce que. Bye bye, finally. Pourquoi? Lui, il m'aurait quoi? Mais c'est à mon tour, Chris! T'es sérieux? Putain, désolé pour le sac. Lilia. Mais elle a juste des Pokémon préhistoriques ou quoi? Par passion, ben. Giga Sensu, non! T'es sérieux? Faudra que je fasse. Ok, bon, il me reste plus qu'à prendre qui? Du coup, on va faire rappel max sur Philali ou Antique. Ouais, c'est bon. Non, ça fait rien. Quelle. Ok. Wow. Ok.
Trincherme. Wintzig. Putain. Ok. Je casse un su. Ça fait rien. Wintzig. Un charme. Ouais, ça fait rien ça aussi. Mais tantôt ça faisait de quoi? Ok. Loup-garoc contre loup-garoc. Non, il est carrément KO. Putain de merde. Ok. On va rappeler qui? Psycho-quack. Tom Roche. Ok. Après ça, on va mettre une perpétion. Oui. Les psychoquacks. Ah, oh, maman, elle est quand même assez... assez... difficile. Non, pas moi. Ok. Non, t'as la trouille, t'es con d'avoir la trouille, t'es sérieux. Sérieux d'avoir la trouille. On va perdre, on va le perdre juste parce que t'as eu la trouille. Pas que t'as la trouille, genre, je sais pas. J'avoue. Hein, ça? Mais qui a la trouille? Allez, Arbok. Au moins, Arbok, t'as pas la trouille. Arbok, c'est un vrai mec. C'est une fille. C'est une vraie meuf. C'est pareil. C'est une fille? Oui, c'est une fille, Arbok. Pourquoi ça t'étonne? Oui, ça m'étonne. J'ai toujours cru que c'était un mec. Mais non. C'est comme les chiens et les chats. T'as des chiens mâles et des chiens femelles. Mmh. Pokémon, c'est la même chose. Mmh, c'est un femelle, les autres. Ouais. Allez. Putain, elle était KO. Y'a pas la trouille, hein. Si t'avais pas eu la trouille, on aurait déjà fini. Bon, ça va, t'as gagné. S'il te plaît. C'est mon là.
Plus le défi est grand, plus la victoire est belle. Ce fut un combat acharné, mais vous vous êtes surpassé de tes Pokémon et toi. Tiens, tu l'as mérité, c'est le cristal Z de type roche ou s'appelait Rocadillé. Pour utiliser la force de Zutrop, tu dois reproduire ce mouvement. Tout est dans la précision et la puissance du déhanché. Alors ouvre l'œil et c'est bon. Utilise cette technique à bon escient. Ah, les Pokémon de type roche. Une peau dure et résistance, une force physique hors du commun. Tout le contraire de moi, mais c'est justement ce qui m'attire chez eux. Eh ben. Tu es content, c'est ça? Lily, la question va peut-être te paraître idiote, mais j'aimerais savoir si tu n'es pas de retour. Que viens-tu faire aux ruines de l'éveil? Je suis ici pour Doudou. Il vient d'un endroit très lointain, j'aimerais le ramener chez lui, mais je n'ai aucune idée de comment faire. Vu qu'il avait l'air intéressé par sa ruine, je me suis dit que je trouverais peut-être un indice. Et voilà un drôle de Pokémon. Le souci, c'est que Tocopion, le gardien qui habite sa ruine, est aussi un Pokémon sauvage et parfois dangereux. Seuls des Pokémon aussi forts que lui peuvent se permettre de l'approcher. J'ai bien peur que ce ne soit pas le cas de notre ami ici présent. Ne vous en faites pas, je suis sûr que votre voyage va vous réserve encore son lot de surprises et de belles rencontres. Viens, Lily, je vais t'accompagner en ville voisine. Ça me touche que tu veux aider un Pokémon alors que tu n'es pas agressif. Compte sur moi pour t'épauler du mieux que je peux. Du coup, on va s'arrêter ici ces belles paroles. Bonjour, madame Alexia. Moi, c'est Tilly. Je viens de Lily. Et je vais faire un combat contre vous. Flèche. Oh, salut. Le monsieur de la Fondation Inter, avec ses grosses lunettes vertes, il a dit de venir au club d'honneur pour la grande épreuve, pas vrai? La Fondation d'État? Caroline, je ne sais pas ce qu'il te veut, mais amuse-toi bien là-bas alors. Si tu ne veux pas perdre ton temps, appelle notre gouffre pour retourner à Oalal. Tu n'auras plus qu'à traverser le pont après le CRI pour arriver au club. La Fondation ITER? Je vais rester ici pour assister au combat de Tilly. Je déteste voir les Pokémon souffrir, mais d'un côté, je sais que vos Pokémon sont taillés pour le combat. Je suis peut-être pas aussi balèze que Pépé, mais quand il s'agit de tirer le max des flèches et du reste de mon équipe, je me débrouille. Flèche. Tilly, tu n'as pas besoin de te comparer à qui que ce soit d'autre. Oublie que tu es le petit-fils du doyen de Mélimélé et bats-toi de toutes tes forces avec tes propres armes. Du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça a duré 25 minutes. Je suis vraiment désolée. Merci à tous d'avoir regardé cette grande épreuve. J'espère que vous l'avez aimé. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager, vous abonner. Et puis on se retrouve très bientôt pour la suite de Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune. Merci à tous et bye bye. Des bisous. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne comme dit précédemment. Et si tu veux regarder l'épisode suivant, tu as juste à cliquer sur le milieu. Non, enfin, le petit bouton là. Tu vois là? Le petit bouton. Milieu. C'est marqué. Épisode suivant. Tu vois? Allez! Des pouces bleus. Bye bye. Des bisous.